Alors, bonsoir à tous et bienvenue à Au-dessus de nos têtes. Donc, ces capsules d'astronomie qui ont lieu en direct sur le Facebook d'Espace pour la vie, tous les deux semaines. Donc, je me présente, Myriam Latulippe, je suis astronome et je travaille comme animatrice scientifique au planétarium Rio Tinto Alcan. Aujourd'hui, à la technique, je suis accompagnée de mon fidèle collègue Maxime Pivin-Lapointe, concepteur et éducateur scientifique ici aussi au planétarium. Et aujourd'hui, c'est une édition très spéciale de Au-dessus de nos têtes. En fait, on va parler de l'opposition de Mars et on va avoir avec nous un invité spécial que je vais vous présenter un petit peu plus tard, mais peut-être que quelques-uns d'entre vous le connaissez déjà. C'est l'astrophotographe Roch Lévesque. Donc, on va le voir dans quelques minutes. Donc, aujourd'hui, pour l'opposition de Mars, on voulait en profiter pour faire de l'observation de la planète rouge en direct. Mais comme vous pourrez peut-être remarquer, il y a des nuages dans le ciel. Et bien que la technologie est beaucoup avancée, on n'est pas rendu à voir à travers les nuages. Donc malheureusement, il n'y aura pas d'observation de Mars en direct aujourd'hui, mais on devrait se reprendre lors de la prochaine capsule dans deux semaines. Donc restez patients. Alors, avant de continuer plus loin, la thématique de la semaine, c'est l'opposition de Mars. Qu'est-ce que c'est que l'opposition de Mars? Donc, on va commencer par ça. Donc, pour vous démontrer c'est quoi l'opposition, eh bien, j'ai amené avec moi mes fidèles acolytes. Mes petits jouets de l'espace, ici. Alors, donc, si on met le Soleil qui est juste là, donc, autour du Soleil, on a la Terre qui tourne autour. Donc, la Terre va tourner autour du Soleil comme ça. Et on a aussi la planète rouge, Mars, qui va tourner autour du Soleil, mais plus loin du Soleil que la Terre. Okay? Donc, vous voyez, parfois, la Terre, elle va être d'un côté du Soleil et la planète rouge va être de l'autre côté. On appelle ça une conjonction, mais des fois, les deux vont se retrouver du même côté. Les astres vont littéralement être alignés. Alors là, on va avoir une opposition. C'est un peu le même principe que la pleine lune, mais pour les planètes. Okay? Donc, lorsque il y a un alignement entre le Soleil, la Terre et la planète rouge, donc du côté de la Terre, bien, en fait, il va y avoir toute la face visible de Mars ici va être éclairée. Et nous, la table, on va voir en fait toute Mars. C'est comme un peu comme quand on voit la pleine lune. Hein? Toute la lune qu'on voit va être éclairée. Toute la face visible de la lune est éclairée. Bien, lors d'une opposition, en fait, toute la face visible de Mars qu'on va voir depuis la Terre va être éclairée. Donc, il y a un alignement des astres comme ça. Bon, si ce n'était pas assez clair avec mes petits toutous ici, je vais vous montrer une petite présentation qui devrait vous expliquer un peu plus de quoi ça a l'air les orbites et la position des planètes lors d'une opposition. Alors, on tasse ça. Donc, je vais vous partager ici mon écran. Donc, l'opposition d'une planète. Donc, on va tout d'abord regarder ici, vous voyez une représentation des orbites de la Terre et de Mars. Donc, l'orbite de la Terre en bleu, celle de Mars en orange. Donc, celle de Mars, non seulement elle est plus grande que celle de la Terre, mais elle est aussi un peu plus elliptique, donc un peu plus allongée. Elle a moins la forme d'un rond que celle de la Terre. Et elle est un petit peu décentrée. Donc, ça fait en sorte qu'à certains moments donnés, même si la Terre et Mars sont alignés avec le Soleil, ils peuvent être plus ou moins proches l'un de l'autre. Donc, pour vous donner une idée, donc, on va regarder les différentes oppositions qu'il y a eu au cours des dernières années. Okay. Donc, il faut savoir un petit peu aussi, donc, vous savez que l'orbite de la Terre, donc, c'est 365 jours et des poussières, donc un an, une année sur Mars, donc une orbite de Mars autour du Soleil, c'est environ deux fois plus long qu'une année terrestre. Pour être plus exact, ça équivaut à 687 jours. Donc, l'alignement
des astres, en fait, l'opposition de Mars va se produire à chaque 26 mois, donc à chaque 2 ans et quelques mois. Donc, si on regarde, par exemple, il y a quelques années, en 2012, donc la Terre et Mars étaient alignés, c'était l'opposition de Mars, mais vous pouvez remarquer que même s'ils sont alignés avec le Soleil, ils sont dans une portion de l'orbite de Mars et de la Terre qui fait en sorte qu'ils sont relativement loin l'un de l'autre. Si on regarde maintenant la prochaine opposition, donc 26 mois plus tard, on était en 2014, donc vous voyez que, oui, ils sont encore à l'opposé, ils sont encore en opposition, mais on peut voir que la distance entre la Terre et Mars va être plus petite. Et ça, si Mars paraît plus proche de la Terre, eh bien, dans le ciel, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que vous pouvez le deviner. Donc, si un astre est plus proche de nous, il va nous paraître plus gros. Donc, même quand, en fait, une opposition, c'est intéressant parce que toute la face visible de la planète va être éclairée. Donc, la planète va être plus brillante. Elle va être plus brillante dans le ciel pour les astrophotographes comme Rock. Donc, c'est très intéressant. Et en plus, si elle est plus proche de la Terre, eh bien, elle est plus grosse dans le ciel et là, on peut voir plus de détails à sa surface. Mais ce n'est pas toutes les oppositions qui sont équivalentes les unes des autres. Donc, parfois, lors d'une opposition, Mars et la Terre peuvent être plus loin que d'autres années, et ce qui fait en sorte que la taille apparente de Mars dans le ciel peut varier du simple au double. Donc, juste pour montrer un petit peu au fil des années de quoi ça a l'air la distance entre les deux astres. Donc, on avait ici en 2012, en 2014. Là, vous pouvez voir en 2016, ils sont de plus en plus proches, les deux planètes. En 2018, elles étaient extrêmement proches. C'était une bonne année question distance interplanétaire pour l'opposition de Mars. En 2020, donc cette année, c'était l'opposition de Mars il y a quelques jours, le 13 octobre, pour être plus précis. Donc, les deux, ils étaient, Mars, elle était à son opposition. On voyait vraiment toute la surface de Mars. Et ensuite, plus les années vont passer, donc la prochaine en 2022, donc la distance entre la Terre et Mars va être un petit peu plus grande et va continuer à grandir comme ça. Pour vous donner une idée de la différence de la taille de Mars dans le ciel, bien, ça va ressembler à ça au fil des années. Donc, vous pouvez voir, par exemple, si vous regardez la taille de Mars dans le ciel en 2012, comparez-la en 2018 ou en 2020. Donc, on peut voir qu'en 2018 et en 2020, Mars, lors de son opposition, elle est beaucoup plus grande dans le ciel. Donc, c'est beaucoup mieux pour pouvoir l'observer. Alors, ça, c'était maintenant pour notre opposition. Donc, de quoi ça a l'air un peu vu de l'espace, donc le mouvement des planètes. Allons voir maintenant de quoi ça a l'air dans le ciel. Parce que là, je vous ai montré une petite photo, là, donc Mars, elle a l'air grosse comme ça. Ça, c'est au télescope, on s'entend, OK? À l'œil nu, même si Mars, elle est relativement près de la Terre, on va voir que Mars n'est pas quand même grosse comme la Lune, par exemple. Ça, c'est un mythe, parfois, qu'on peut voir passer sur Internet. Donc, Mars n'est jamais grosse comme la Lune dans le ciel. Elle reste quand même un point, mais elle va être très brillante. Même que ces temps-ci, vous allez voir, elle est particulièrement brillante, même plus brillante que Jupiter. Donc, allons voir ça. Je vais vous partager maintenant mon écran avec Stellarium pour aller explorer ensemble le ciel un petit peu de ce soir. Alors... Donc, je vais le mettre en plein écran. Donc, on a le ciel en ce moment, donc à 20h10 depuis la Terre. Donc, on va regarder ensemble quelques constellations qu'on peut observer dans le ciel. Donc, les premières, bien, toujours, hein, une bonne habitude, on commence par retrouver notre grande casserole qui est juste ici dans le ciel. Donc, si je vais mettre les traits ici, donc on peut voir la constellation de la Grande Ourse. Et là, maintenant, pour retrouver l'étoile polaire, donc on va utiliser donc, la partie opposée du manche de la casserole. Ici, on continue vers le haut du ciel et on arrive ici à l'étoile polaire dans la constellation de la
petit ours. Donc, on a ici la petite et la grande ours. Donc, ça, c'est des constellations qu'on peut toujours voir dans le ciel, les constellations circumpolaires. On peut apercevoir aussi une autre, ici en forme de W, donc la constellation de Cassiopée. Et là, en utilisant le W de Cassiopée, bien, si vous cherchez, par exemple, la galaxie d'Andromède, qui va être très bien placée dans le ciel ces temps-ci en automne, bien, moi, j'aime bien utiliser le W de Cassiopée. Donc, juste ici, vous avez notre W. Et on prend le V du W, qui est plus pointu. On va l'utiliser comme une flèche. Donc, je vais juste venir grossir un peu l'image. On va l'utiliser comme une flèche qui va pointer vers une tache floue qui est juste ici, dans la constellation d'Andromède. Et ça, ça va être en fait la galaxie d'Andromède. Donc, si on grandit ici, on arrive à voir notre galaxie d'Andromède qui est bien placée. Donc, si on a des fans de photographie, par exemple, qui veulent photographier la galaxie d'Andromède, donc en automne, c'est un très bon moment pour pouvoir l'observer. Et là, on a ici la star de notre émission d'aujourd'hui. Donc, on a la planète rouge ici qui va être dans la constellation des poissons. Donc, on peut voir ici. Donc, comme vous pouvez voir là, dans notre représentation du ciel de ce soir, Mars, elle est très brillante, mais elle ne va pas être grosse comme la Lune. Donc, comme je le disais plus tôt, ça reste un point très lumineux, mais qui va être plus brillant que Jupiter lorsqu'elle est à son plus près de la Terre. Donc, si on cherche Jupiter, on va regarder cette fois-ci de l'autre côté du ciel. Parce que Mars, en ce moment, elle est en train de se lever à l'est. Donc, comme toutes les autres étoiles, comme tous les autres astres, le ciel, dans le ciel, ils vont se lever à l'est et aller se coucher vers l'ouest. Donc, présentement, Mars, on peut la voir toute la nuit. Donc, en début de nuit, elle va se lever vers l'est, ensuite, elle va monter vers le sud et, par la fin de la nuit, elle va se coucher vers l'ouest, un peu comme le Soleil. Tandis que Jupiter et Saturne, maintenant, on peut les voir plus vers l'ouest. Juste ici. Donc, on va les voir plutôt en début de soirée. Elles vont commencer à se coucher de plus en plus tôt, mais elles sont quand même assez faciles à repérer dans le ciel. Donc, vous allez les voir même en pleine ville. Et Mars, là, par contre, c'est vraiment le moment. Lorsqu'il n'y a pas de nuages, sortez dehors, vous ne pouvez pas la manquer. Dès que vous voyez un gros point lumineux orange, vous vous demandez c'est quoi, c'est Mars automatiquement. Donc, c'est le meilleur moment pour aller l'observer proche de son opposition. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre dans le ciel? Donc, on peut voir quelques constellations. On commence à voir ici un petit amas d'étoiles qui commence à se lever. Donc, dans le taureau, alors ça va être les Pléiades. Si on s'en approche un petit peu, là, vous allez voir, là, ça aussi, c'est une très belle cible d'astrophotographie aussi, si vous voulez l'observer. Donc, c'est plein de petites étoiles ensemble qui viennent tout juste de naître. Il y a à peine quelques millions d'années. Donc, ça paraît beaucoup pour nous, là, mais pour des étoiles, c'est pas beaucoup. Donc, ça vaut la peine de regarder là-bas si vous avez une paire de jumelles, un petit télescope ou si vous voulez commencer en astrophotographie, ça va être une belle cible à prendre. Donc, c'est des étoiles quand même assez brillantes et on arrive même parfois à voir le voile de gaz qui englobe ces jeunes étoiles qui viennent de se former. Et plus on va avancer dans le temps, en fait, plus... Il y a des constellations très brillantes qui vont commencer à apparaître dans le ciel. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Voyons voir ici. Donc, les Pléiades ici qu'on venait de voir, ça fait partie de la constellation du Taureau. Et dans le Taureau, on peut voir un autre amas ouvert d'étoiles, donc un autre amas de jeunes étoiles. Qui va être vis-à-vis la tête
du taureau. Et ça fait un V ici avec une étoile rouge très brillante. Donc l'étoile rouge, elle est plus près de nous, mais les étoiles en V vont faire partie des iades, donc un amas ouvert d'étoiles aussi qu'on peut observer dans le ciel. Et lorsqu'on va attendre un petit peu, en 11h minuit, on commence à voir ici la constellation d'Orion qui va commencer à apparaître, qu'on reconnaît bien avec sa ceinture, donc les trois étoiles alignées juste ici. Donc, on arrive quand même à voir quelques constellations brillantes, que ce soit la petite ours, la grande ours, Cassiopée, qu'on peut toujours voir dans le ciel. On va commencer à voir des constellations d'hiver qui sont plus brillantes, qui vont apparaître plus tard en milieu de nuit. Et bien évidemment, donc, nos planètes qu'on arrive très bien à observer dans le ciel. Alors, avant qu'on continue, je voulais juste voir si on avait des petites questions. J'ai oublié de vous dire au début, là, mais évidemment, hein, si vous avez des questions, nous, on est là pour y répondre, que ce soit en direct, donc que ce soit moi, mon invité, ou plus tard sur les commentaires. Alors, Maxime, est-ce qu'on a des questions ou non? Parfait. Alors, mais là, ça, c'était pour ma présentation du ciel de nuit. Mais je dois avouer là, que j'ai vraiment hâte de vous présenter quelqu'un. Donc, comme on n'a pas de questions, j'aimerais enchaîner avec notre fameuse invitée spéciale, donc ni plus ni moins que Roch Lévesque. Alors, qui est juste ici à côté de moi au Planétarium. Salut Roch, ça va? Bonsoir tout le monde. Merci de me recevoir comme ça. C'est un honneur pour moi. Mais non, mais on est content de te recevoir. Roch ici est à côté de moi au Planétarium. On va continuer à faire face à notre ordinateur, mais on se parle, on est juste à côté de l'un de l'autre. Puis d'ailleurs, vous pouvez voir derrière moi, j'ai un télescope un peu semblable à celui que tu as, Roch, me semble. Oui, c'est 14. Donc, je mets de casse-grain de 14 pouces de diamètre, qui est particulièrement bien conçu pour l'observation planétaire. Oui, c'est un télescope, parce que c'est un de ceux qu'on a ici au Planétarium. Avant de continuer, là, Roch, je vais te présenter quand même, parce que tu mérites une introduction. Donc, Roch Lévesque, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un astrophotographe, un amateur qui fait des super belles photographies de plein de choses qu'on peut voir dans le ciel, mais particulièrement l'astrophotographie planétaire. Donc, lui, il s'intéresse particulièrement à photographier les planètes. Et nous, ici, au Planétarium, on connaît bien Roch parce qu'on avait collaboré avec lui pour le spectacle Un jour sur Mars. Lorsque le Planétarium va ouvrir ses portes de nouveau, ça va être un des films qui va être à l'affiche. C'est un film, justement, où on va faire un peu un road trip sur Mars. Donc, voyager à la surface de la planète rouge. Et d'ailleurs, c'est Maxime qui est avec nous aujourd'hui à la technique, qui est le réalisateur de ce film-là. Et dans le film « Un jour sur Mars », on avait justement une séquence, une vidéo de Mars prise par Roch. Donc aujourd'hui, Roch, il va nous partager ses trucs, ses astuces sur comment bien photographier les planètes, puis sur l'astrophotographie. Donc, si vous avez des questions plus pour Roch, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. On va profiter de sa présence. Alors, Roch, toi, d'un, est-ce que ça fait longtemps que tu fais ça, de l'astrophotographie? Disons que j'ai commencé, oui. J'ai commencé en 2005. Puis, je pense que déjà en partant, j'étais attiré vers les captures de planètes. Fait que... J'ai comme affiné mon jeu au fil des ans. Mm-hmm. Est-ce que tu étais un astronome amateur avant de t'intéresser à l'astrophotographie ou c'est comme tout venu en même temps un peu? Non, ça fait longtemps que je m'intéresse à l'astronomie, même d'un très jeune âge. Ceux qui me connaissent très bien depuis longtemps le savent. Disons que j'ai commencé... je fais de la musique aussi, mais bon, ça c'est une autre histoire. Disons que j'ai fait... de l'astronomie avant de goûter à la musique. Mais quand j'ai fait mon astronomie étant jeune, l'équipement qu'on avait à ce moment-là, c'était pas très performant. Fait qu'on s'est vite rendu compte que
On a tassé ça de côté, puis on s'est dit, bon, peut-être plus tard. Fait que plus tard est arrivé. Ben oui, plus tard est arrivé. Comme j'ai dit, on peut toujours regarder à travers les nuages, mais maintenant, on peut prendre des belles photos de planètes, même depuis la Terre. Donc, ben là, aujourd'hui, notre plan, c'était d'essayer d'observer Mars en direct. Mais là, il y a des nuages. Sauf que toi, tu as été assez gentil. Tu nous as fait une petite vidéo de ta photographie de Mars d'hier, je pense. C'est ça? Oui, bien, disons qu'on savait que les nuages te pourraient être de la partie ce soir. Fait que à ce moment-là, j'ai décidé de faire une capture de chez moi. Mm-hmm. avec l'idée d'enregistrer ça, puis de vous le montrer ce soir. Ah, bien, c'est génial. Ouais. Donc là, tu as une vidéo à nous montrer, c'est ça? Oui, j'ai une vidéo à vous montrer. Il faut que je le trouve ici. Donc là, juste vous rappeler, là, donc Rock, il va nous montrer un peu comment il va faire ça, mais t'sais, c'est tellement d'étapes pour obtenir une photographie de Mars, là, ou en fait, pour obtenir n'importe quelle photo. Donc, il va nous montrer les étapes principales de ça. Alors... Oui, la technologie. Ah oui, la technologie! Donc, vous allez voir, Rock, il est meilleur en astrophotographie qu'en technologie de partage d'écran, c'est ça? Oui, c'est correct. je pense que je l'ai comme ça, un petit peu. Non, un petit peu. Bon, on va l'avoir. Mm-hmm. Bien, pendant ce temps-là, si je peux vous parler, moi, comme vous pouvez voir derrière moi, c'est un autre décor. Donc, je suis devant l'exposition Ciel, qui est une exposition d'astrophotographie faite par des astronomes amateurs. Donc, lorsque le planétarium va rouvrir, c'est une exposition permanente qui devrait être là pendant quelques mois. Je pense que jusqu'au mois de mai prochain. Je ne suis pas certaine encore jusqu'à quand exactement. Mais donc, vous pouvez venir voir ça au planétarium lorsqu'on va réouvrir. Donc, on a plusieurs photos faites par différents astronomes amateurs à travers le Québec. Donc, c'est pas juste Rock qui fait de l'astrophotographie. Il y a vraiment... c'est une belle passion à avoir. Donc, est-ce que tu es prête avec ta vidéo, Rock? Bien, disons qu'on l'a parti, là. OK. Bon. Ça a l'air un peu fou, là. Mars est blanche, là. Oui, c'est ça. Mais qu'elle est surexposée, c'est ça? Oui, elle est surexposée. Puis c'est un peu voulu parce que souvent, je vais faire des ajustements à ce moment-là. Quand la planète est surexposée, il y a certains paramètres qu'on peut régler à ce moment-là. OK. Puis ensuite, là, tu vas ajuster. Qu'est-ce que tu ajustes pour pas qu'elle soit surexposée, comme tu dis? Bien là, pour la surexposition, c'est juste pour être capable de voir un petit défaut qui peut arriver si on n'a pas un certain appareil qui va comme corriger un problème que l'atmosphère va faire, mm-hmm. surtout quand les planètes sont basses. Ça s'appelle un ADC en anglais. OK. J'étais un peu mal à dire. Atmospheric Dispersion Corrector, donc un correcteur de dispersion atmosphérique. Là, on va voir à l'écran, je faisais une simulation comme si je n'avais pas cet outil-là. Et okay. vous allez voir ce que ça va donner, vous voyez? Donc là, ça bouge beaucoup, là. Oui, ça bouge beaucoup, parce qu'aussitôt qu'on touche au télescope, à peine avec nos doigts, tout se met à bouger. Bon, vous voyez, on voit ici le problème que je vous parlais à l'écran. Vous voyez le bleu puis le rouge qui se sépare, les couleurs. Ah oui, donc il y a du bleu en haut de Mars puis du rouge en bas, c'est ça? Oui, c'est ça. Les couleurs cherchent à se dissocier, okay. un peu comme un arc-en-ciel. OK, ça, c'est à cause. Donc, à cause de l'atmosphère, ouais. Ça va faire comme des perturbations, puis ça va un peu séparer les couleurs. Puis ça, de ce que je comprends, c'est encore plus important quand la planète, elle va être basse à l'horizon, parce que quand elle est basse dans le ciel, elle traverse plus d'atmosphère, c'est ça? Oui, elle traverse beaucoup d'atmosphère, puis dans un angle très pointu. OK. Fait que c'est un peu problématique. Fait que tu corriges la dispersion des couleurs un peu. Exactement. Tu veux pas d'arc-en-ciel dans ton image. Cet outil-là, le ADC, est indispensable, je dirais, si on fait de la capture avec une caméra couleur. D'accord. Ouais. Puis là, juste pour que les gens comprennent là, pourquoi ça bouge, là, tu l'as évoqué un peu tantôt, mais tu sais, pour voir Mars, pour que Mars soit à ce point-là grosse sur ton écran d'ordinateur, donc il faut un très, très grand grossissement
avec le télescope. Donc, dès qu'on touche un petit peu à terre ou qu'on accroche un tout petit peu, là, c'est pour ça qu'on voit ça bouger beaucoup. C'est quand on grossit quelque chose beaucoup au télescope, bien, des petites perturbations, puis l'image va grandement bouger. Ah oui, absolument. C'est comme si on tend une perche au bout de... avec notre... On tend une perche au bout de notre bras, puis si on a le malheur de trembler un petit peu au bout de la perche, on voit le bout de la perche qui, ça tremble énormément. Oui. Donc, on a, je pense, une question avant qu'on continue plus loin. Donc, question de Annie Gagnon. Donc, combien peut coûter l'appareil photo et que doit-on prendre en formation? Donc, ça, je pense que c'est une question plus pour toi, Rock. Oui, effectivement. L'appareil photo pour prendre les planètes, disons que c'est un appareil un peu spécial parce que les planètes, quand on les capture, on les filme. Mais ça, vous allez voir ça tantôt. Fait que c'est un, dans le fond, c'est pas quelque chose de très gros, la caméra. C'est tout petit. Si vous permettez, voulez-vous que j'aille... Je pense que je l'ai ici, pas loin, oui. Oh, OK. Ma caméra est là. Je vais vous montrer. Ça prend 2 secondes. Celle que je me sers, c'est ça ici. C'est une petite... Ah, wow! OK. Caméra ZWO qu'on appelle. Je vais vous montrer. Je vais juste vous montrer la grosseur du capteur. Donc, la partie où l'image va aller s'étamper. Vous voyez le petit carré, le petit rectangle au centre, là? Si vous regardez à l'écran, présentement, à votre droite, il y a un rectangle gris. Le rectangle gris qui est là, il correspond à la grosseur du capteur que je viens de vous montrer. Puis, si vous regardez Mars présentement sur la vidéo que je vais repartir, le carré, le petit carré noir, c'est le carré qui est alentour de Mars présentement. Fait qu'on okay. se sert juste d'une toute petite partie pour pouvoir capturer la planète. OK. Puis, ça coûte-tu bien cher? Bien, ce caméra-là peut coûter, écoutez, ça peut tourner alentour de, quand c'est neuf, alentour de peut-être 400 $ à 800 $ approximativement. Oui. Mais là, vous allez voir, plus tard, je vais vous montrer des photos faites par d'autres astronomes amateurs. Puis, si vous commencez, je pense que vous n'êtes pas obligé de vous acheter la même caméra que Rock tout de suite. Là. Vous pouvez commencer par voir si vous aimez ça, puis ensuite y aller plus en profondeur. Je pense pas que c'est ta première caméra, ça ici, Rock. Non, c'est pas ma première. Disons que j'ai vu l'évolution là-dedans, surtout quand j'ai commencé en 2005. Mm-hmm. Les caméras planétaires, c'était plutôt comme des webcams, finalement. OK. Oui. Puis même, il y a des astronomes amateurs qui modifiaient des webcams pour pouvoir faire des captures de planètes à ce moment-là. Parfait. Donc là, si on revient à notre vidéo, là, à ta capture, comme tu appelles ça, de hier, de mars. Donc là, l'image, elle est plus sursaturée. Là, on arrive vraiment bien à voir Mars. Donc, qu'est-ce que tu as fait pour pas que l'image soit sursaturée, qu'on la voit toute blanche comme tantôt? Là? OK. Tantôt, elle était toute blanche parce que soit le temps d'exposition était trop long, mm-hmm. ou soit le gain était trop élevé, ou les deux. Okay. Mais le but là-dedans, c'est pas d'avoir... une image comme ça. Le but, c'est d'obtenir dans notre capture le plus d'images possible dans un temps donné. Okay. Pour Mars, la capture se limite à 4 minutes. Sinon, on peut avoir un flou de rotation de la planète. Mais attends, on va revenir sur une affaire, là. Donc, le temps d'exposition, donc c'est pas juste comme une image, là, comme moi, j'imagine avec mon appareil photo, mon téléphone, là, c'est pas juste un clic-clic. C'est donc, tu as un certain nombre d'images que tu prends par seconde, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, plus ton temps d'exposition est petit, donc plus tu prends des photos rapidement et tu vas en avoir plus en une seconde, c'est ça? Exactement. Je vais en avoir plus en bout de ligne. C'est quoi comme ton chiffre magique? Là? Combien d'images par seconde tu prends d'habitude quand tu vas photographier Mars? Ah, bien, pour Mars, avec le cadrage que j'ai là, qui est tout petit alentour de la planète, je réussis à aller chercher 175 images secondes. OK. Ah, wow! Oui, pour l'instant, c'est ça. Donc, juste pour comme vous donner un peu une idée, là, tu sais, là, ce qu'on voit, c'est une vidéo, OK? Mais, tu sais, une vidéo, normalement, nous, une vidéo, c'est pas en continu. Ça reste quand même un certain nombre d'images par seconde, puis environ 30 ou 60 images par seconde. Une vidéo qu'on voit, là, un film, là, c'est à peu près ça. Toi, c'est bien plus que 60, là. C'est
175, tu disais? Oui, oui, ça peut monter, ça peut monter plus que ça. Là. Je me suis déjà rendu à environ 700 images secondes, mais je veux dire, des fois, ça peut être non exploitable, mais okay. ça se fait. Puis pourquoi on veut avoir autant, autant d'images par seconde? Pourquoi on veut que les images soient prises si rapidement? Bien, il faut, parce que le temps donné pour prendre la capture d'une planète est relatif, bien, directement relié à sa période de rotation. Donc, la période de sa journée. Ce qui arrive, c'est que Mars tourne sur elle-même, comme Jupiter, comme Saturne. Puis, si on prend plus que 4 minutes de capture, bien, pendant cette capture-là, si on dépasse, on risque de détecter que la planète a tourné. Fait qu'il y a des images qui ne seront plus alignées avec les autres images dans la même capture. Fait que ça peut être problématique quand on va arriver pour traiter ça. Donc, c'est ça. En fait, tu prends plusieurs images, comme une vidéo un peu, là, mais tu prends plusieurs images, puis éventuellement, ces images-là, tu vas toutes comme les additionner les unes avec les autres. Là. C'est pas une addition, c'est une moyenne. Une moyenne. Oui, c'est une moyenne. Puis le logiciel va choisir le logiciel en question pour traiter la capture. En passant, la capture, c'est un film. Hein? Donc, le film, pendant 4 minutes, avec Mars à 175 images par seconde, ramasse avec... Un instant, là. Donc, juste pour qu'on soit sûr de bien comprendre. Là. Donc, 175 images par seconde, puis là, tu fais ça pendant 4 minutes. Oui. Donc, ça fait combien d'images, là, en tout? Là? 42 000. 42 000 images. Puis est-ce que tu vas toutes les utiliser, ces 42 000 images? Oui, pour commencer le traitement, mais non pour faire l'image finale. OK. Donc, ceux que tu vas comme empiler, en anglais, je pense qu'on dit stacker des images. Oui, c'est un stacking, c'est ça. Ceux qu'on va, on va essayer de parler français, on va dire empiler. Un empilement, oui. Donc, ceux que tu vas, les images que tu vas empiler les unes sur les autres, c'est pas les 42 000 au complet. C'est juste une portion. Un peu les meilleurs, j'imagine? Exactement. C'est qu'un coup que la capture est prise, on a un logiciel d'empilement dont on se sert, que lui, on lui demande de trier des meilleures aux pires images. Okay. Et puis, on lui dit de faire un choix d'une quantité d'images ou d'un pourcentage du film. OK. Toi, je pense que tu as un chiffre magique là, de nombre d'images que tu utilises, c'est ça? Ouais, moi, dans mon cas, en tout cas, je me suis toujours servi du chiffre 2000 images. Puis je me suis rendu compte que ça faisait une bonne job, je dirais. Oui, je pense que plus tard, j'allais voir les photos, tes photos rock, là, mais 2000, ça fait des belles images. Donc, merci beaucoup. Donc, juste pour récapituler, donc tu prends au cours de ta soirée, donc, pendant 4 minutes, tu vas prendre une vidéo composée de 42 000 images de Mars. Il y en a qui vont être plus floues, moins bonnes, à cause de perturbations atmosphériques, c'est ça? On le voit bien présentement. Ouais, comme là, on voit que l'image, on dirait qu'elle bouge. Ça danse. On dirait que c'est au-dessus d'un barbecue. Là, oui, mais c'est ça. Ou bien si on regardait, mettons, un dissous dans une rivière. OK, oui, ça fait... C'est comme si l'atmosphère se comportait comme un liquide. Mm-hmm. Donc, elle va bouger comme ça, puis elle va faire que l'image... Donc, dans tes 42 000 images, il y en a qui vont être meilleures que d'autres. Là, tu mets ça, une fois que tu as fini de prendre tes 4 minutes, 42 000 images d'observation, tu mets ça dans un logiciel qui va les trier en ordre de qualité, c'est ça? C'est ça. Puis, tu vas prendre un certain pourcentage, ou dans ton cas, 2 000 de ces images-là, puis les 2 000 meilleures, on s'entend. Oui, on prend pas les 2 000, on prend pas n'importe quel 2 000. Bien, c'est sûr que si une soirée, la turbulence est faible, il y a moyen d'en prendre un petit peu plus, puis ça peut-être aider, mais bon, moi, je trouve que 2 000, c'est bien assez. D'accord. Donc, je pense qu'on avait une question qui nous a été posée. Donc, si je comprends bien, on ne peut la prendre en photo directement. Bien, c'est pas qu'on ne peut pas la prendre en photo directement. C'est parce que si on le fait avec un appareil photo ordinaire, si on veut, même s'il est bien couplé avec le télescope, on n'obtiendra pas le maximum de détails de cette façon. Ça a été prouvé depuis longtemps. C'est pour ça que toutes les meilleures images planétaires sont faites à partir d'un film. OK. Donc, ça va être
comme on verra pas assez de détails, puis j'imagine aussi peut-être que l'image, elle va être pas assez brillante, comme un peu ténue? Bien, non, pas nécessairement pas assez brillante, parce qu'on peut ajuster notre ISO sur une caméra, si on veut. Mais ce qui arrive, c'est que quand je fais mon film, il y a tellement d'images là-dedans, il y en a des bonnes, des pas bonnes. Fait qu'on risque de se ramasser, beaucoup plus de chances de se ramasser avec des pas bonnes que des bonnes. OK. D'accord. C'est toujours mieux d'en avoir plus. Mais tu sais, je pense que avec n'importe quel type d'appareil, maintenant, la plupart ont un mode longue exposition ou ont l'option de faire une vidéo. Je pense que même avec un téléphone cellulaire, si j'ai bien compris, on arrive à faire une vidéo puis ensuite d'utiliser un logiciel pour empiler ces images-là. Oui, mais je voudrais aussi souligner qu'il y a des appareils photo, relativement des DSLR, là, des appareils photo numériques, mm-hmm. qui sont capables de filmer. Fait qu'on peut quand même filmer la planète avec notre appareil photo. Oui. Mais c'est pas aussi performant qu'une caméra planétaire qui est dédiée à mitrailler comme ça. Oui. Mais si vous avez un appareil à la maison, ça vaut la peine d'essayer quand même. Certain. Oui. Donc, je pense qu'on a une autre question. Donc, c'est quoi le logiciel d'empilement que tu utilises? Il y en a un en particulier qui est assez récent, je dirais, qui s'appelle AutoStacker. Et puis, anciennement, il y en avait un qui a servi longtemps, qui s'appelait Registax. C'est deux logiciels qui font sensiblement les mêmes choses, sauf que AutoStacker est capable de prendre des fichiers qui sont pas mal plus lourds, sans problème. Puis, disons qu'il y a une évolution qui s'est faite à ce moment-là. Puis, AutoStacker est nettement supérieur maintenant. Parfait. Mais AutoStacker n'offre pas l'option de rehausser des détails après l'empilement. Tandis que Registax le fait, qui est vieux, mais il le fait. Fait que souvent, le monde va empiler avec AutoStacker, puis ils vont rehausser dans Registax. OK. Est-ce que c'est ça que tu fais toi aussi? Non. C'est bien. Tu me donnes d'autres trucs quand même. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ça se fait, par exemple. D'accord. Bien, là, donc là, on a couvert un peu la partie que tu appelles la capture. Donc, mais là, une fois que tu as toutes tes images, là, tes milliers d'images. Mon film. Donc, ton film. Oui. Alors, on va regarder ce que ça donne, ce qu'on appelle le. C'est quoi, c'est le traitement, en fait, de ces photos? Oui, bien, c'est ça. On dit quand on fait notre... Bien, c'est le pré-traitement. Okay. Le pré-traitement, c'est de prendre le film puis faire une image avec, donc un stack. Okay. Donc, une image empilée. Après l'image empilée, là, on va traiter l'image. Okay. Fait que là, ça, c'est le pré-traitement. On le voit ici à l'écran. On voit AutoStacker. On vient de rentrer le film dedans. On le voit à droite. Puis là, on a quelques paramètres à gauche qu'on peut ajuster, mais souvent, les paramètres d'origine sont assez bien fonctionnels. Fait que tout ce qu'on fait, c'est qu'on analyse. On voit les gros boutons. Mm-hmm. Ils ont déjà leur numéro. Un, open. Deux, analyze. Puis le trois, ça va être stack. Fait que ça, c'est l'étape de, comme on disait tantôt, là, d'empiler les images les unes sur les autres. Oui, là, présentement, c'est parce que lui, il va analyser, donc il va faire son tri. OK. Ouais, fait que là c'est juste... Bon, là, un coup qui a été trié, je lui ai mis des points d'alignement. Là, il a été trié, là. OK. J'ai mis des points d'alignement parce qu'il faut lui mettre des points d'alignement. Il y a des choix de différentes grandeurs de points. Il y a des choix de les mettre automatiques ou de les mettre à la main. Moi, je lui mets automatique. Je me casse pas la tête, là. OK. Fait que, que les points d'alignement sont mis... Ce que je demande au logiciel, c'est donne-moi un stack avec les 2000 meilleurs. OK. Fait que ça, c'est l'image qu'on voit à gauche. À gauche, c'est le Donc, stack. Donc, l'image ici, là, ça, c'est tes 2000 meilleures images qui sont, de façon très brute, là, rudimentaire, comme empilées les unes sur les autres. Oui, c'est ça. Empilées en moyenne sur les autres. À droite, l'image que vous voyez là, c'est la même image, mais avec un petit rehaussement appliqué dessus automatiquement par le logiciel d'empilement. Ça, c'est pour me donner une idée de ce que ça peut avoir l'air quand je vais la traiter. Sauf que dans ma soirée, si je fais 12 captures de Mars, puis que je les passe toutes
dans AutoStacker, dans mon logiciel d'empilement, je lui demande de sortir toujours deux images comme ça sur chaque capture. Bon, bien, quand je regarde celle de droite sur toutes les captures, je vais être capable de détecter laquelle est la meilleure. Oui, fait comme ça, tu sais, si exemple, comme tu disais, tu as fait 12 captures différentes de masse, là, tu vas toutes les empiler, les stacker ensemble. Tu vas avoir une image un petit peu déjà traitée de façon rudimentaire automatique là, sur ton logiciel. Exact. Puis la meilleure, celle qui te semble la meilleure, c'est elle sur laquelle là, tu vas vraiment passer du temps après pour la traiter, tout ça. Là. Oui, souvent, même si la soirée n'est pas fameuse, je détecte la meilleure, puis les autres, je fais juste les jeter. Donc, il y en a même qui me disent « jette-les pas, je les prendrai ». Ben non, trop tard. Donc là, une fois que tu as sélectionné, disons que c'est cette capture-là que tu veux. Oui. Donc là, on revient à l'image un peu floue là, qui n'a pas été rehaussée automatiquement. Ouais, l'empilement brut. Là, j'envoie ça dans un logiciel où je vais faire du rehaussement de détails. Puis là, ça va donner... OK, parce que les détails sont tous là, dans l'image brute. Il s'agit juste de les extraire avec souvent les outils comme... des ondelettes. Okay. Comme je vous disais tantôt, le vieux logiciel, le Registax, qui fait du stacking, mm-hmm. a aussi des ondelettes. Okay. C'est pour ça que le monde, des fois, va aller dans ça. Moi, je vais dans PixInsight pour ça. Donc, si on regarde un peu la différence, là, donc ça, c'est le brut, ça, c'est avec les ondelettes, donc ça fait vraiment une différence. On voit tout à coup, c'est comme si on venait de mettre des lunettes puis on voyait la vie en clair. Là. OK, c'est bon. Je ne t'attendais pas à celle-là. Pardon. Donc là, ensuite, une fois que tu as ton image... Vous avez pu voir, même lors de la capture avec mm-hmm. mon histogramme en bas, on pouvait voir les couleurs mm-hmm. Qui étaient en train de se faire imprimer dans le film. Il manquait de bleu. Les caméras planétaires couleurs ont souvent tendance à être déficientes dans le bleu. OK. Fait que moi, je vais corriger un petit peu ça en ajustant les paramètres de la couche bleue. La paramètre de couleur un peu. Ouais, c'est ça. Il y en a qui peuvent faire ça avec un script qui s'appelle Color Calibration, calibration de couleur. Moi, j'y vais au manuel, là. Des fois, ça peut être... T'sais. Dans le fond, le but là-dedans, c'est d'ajuster la couleur pour que ça ait l'air plus naturel possible. Mm-hmm. Donc, si on regarde, par exemple... Là, je reviens à la photo avant l'ajustement des couleurs. Ouais. Donc, si on regarde là, en bas de l'image, ici, là, le point, ça, c'est supposé être, supposé être de la glace. C'est supposé être blanc. Oui, c'est donc, la calotte polaire sud qui est rendue tout petite parce que c'est l'été en hémisphère sud présentement. Donc là, on voit qu'elle est plutôt jaune. Oui. Puis quand on revient ici, donc là, maintenant, elle est beaucoup plus blanche. Oui, elle est blanchâtre. Un peu la vraie couleur de la planète au final. Oui. C'est ça qu'on veut. Oui, en plein ça. Donc là, tu as ajusté les couleurs. Oui. Donc là, on voit le avant-après. On se rend compte que l'image à gauche est pas mal plus verdâtre. Moche. Un peu, là. Ouais. Bon, je dirais pas jusqu'à dire moche, là. Si je faisais cette photo-là, je peux dire que je serais quand même très contente. Mais, en tout cas, moi, je suis habituée. Elle est moche un petit peu. Mais ce qui arrive, c'est que même des fois, après avoir ajusté les couleurs, je me rends compte que... Je peux rehausser encore un petit peu plus. Fait que j'ai rehaussé encore les détails un petit peu plus ici, comme on peut voir. Comme on peut voir sur l'image à droite. Ouais. Donc, celle au centre, donc ça, c'est avec les couleurs qui sont arrangées. Puis là, ensuite, tu as rehaussé de nouveau les détails. Ouais, bien, un coup que l'ajustement de couleurs était fait, là, j'ai dit, il y a peut-être encore de la place pour un petit peu de... On appelle ça du stretching en anglais. Fait que il y a toujours moyen de... Des fois, de pousser un petit peu plus sans exagérer. Mm-hmm. Ça, c'est bien important. Fait que là, si maintenant, on regarde donc, ton résultat, ça aurait l'air de ça. Oui, bien là, si on voit ici à droite, je l'ai amené dans un logiciel qui s'appelle Photoshop, que tout le monde connaît pas mal. Au moins j'ai donné juste une petite courbe pour juste rehausser le contraste de l'image totale. OK. Ouais. Donc, pour plus voir un peu les différentes structures. Oui, exactement. D'accord. Puis des fois, avec le traitement, comme on peut voir, alentour de la planète, présentement, il y a comme... Un halo, on dirait que c'est gris autour, là. Oui, ça peut arriver quand on traite les images. Il y a des artefacts qui sortent un peu alentour. Fait que je dis que je fais un nettoyage, si on veut, nettoyage du poteau.
Puis après ça, ça risque d'être prêt pour la publication. Oui, puis là, ensuite, tu le mets et voilà. Dans une forme comme ça. Oui. Fait que ça... En gros, c'est ça. C'est quand même assez impressionnant, je dois l'avouer, là, comme image. Puis là, c'est ça ici, cette photo-là, par exemple, cette capture-là, tu fais ça de où? Bien, c'est ça. Je fais ça de chez moi. Puis même si chez moi... Ceux qui ne connaissent pas, c'est où, ça, chez toi? Moi, je suis à Terrebonne. OK. OK. Puis à Terrebonne, c'est considéré comme une zone où il y a pas mal de pollution lumineuse. Je ne vois pas la Voie lactée quand je me lève les yeux dans les airs. Même si c'est dégagé et il n'y a pas de nuages. la pollution lumineuse, pour ce qui est des captures planétaires, ça n'affecte pas l'image. Donc, même en plein cœur de Montréal, on pourrait faire de l'astrophotographie planétaire. Et de l'excellente photographie planétaire qu'on peut faire même. Oui, bien, je pense que tu avais fait là, des photos, justement, au Mont-Royal. Ah, tu penses ça? Oui. Moi, je pense que tu le sais pas mal, oui, parce que tu étais avec moi là-bas. Bien oui, j'ai eu la chance de voir Rock en pleine action lorsque, proche de l'opposition de Jupiter et Saturne. Donc, c'était les deux, il me semble que c'était les deux cibles cette soirée-là. Puis, je dois l'avouer que sur le belvédère du Mont-Royal, à côté du chalet, proche avec la pollution lumineuse du centre-ville, puis... Puis les beaux buildings en avant, ouais. Ça, c'était très joli, belle place. Mais c'est ça, ce qui arrive, c'est que la turbulence atmosphérique, des fois, proche du sol, va être pire à cause des automobiles, à cause du ciment, à cause de toutes sortes de... Fait que si on était à ce moment-là sur l'estacade du Belvédère, donc on était surélevé, peut-être avec les buildings en avant, on était peut-être comme au 20e étage, mais on se sauvait de beaucoup de turbulences qu'il y avait au sol, donc la turbulence locale qu'on appelle. OK. Donc, c'est quand même intéressant de voir que même comme de l'astrophotographie, on peut faire ça en pleine ville. C'est pas grave d'avoir de la pollution lumineuse. Donc, c'est bien de voir qu'il y a une partie de l'astronomie qu'on peut faire même en plein cœur de Montréal. Là, je pense qu'on avait une autre question. Donc, concernant l'opposition de Mars. Alors, si la Terre se trouve entre Mars et le Soleil, est-ce que celle-ci ne plonge-t-elle pas Mars dans l'ombre? Ça, c'est une excellente question. Et pour y répondre, en fait, il y a une autre chose qu'il faut savoir, c'est que, donc, oui, toutes les orbites des planètes sur le système solaire sont relativement plates dans le même plan, mais l'orbite de Mars et celle de la Terre sont un petit peu en ciseaux, comme ça, je vais accentuer, je ne sais pas si vous voyez bien, là. Mais des fois, ça fait que même si elles semblent être alignées, Mars va être un petit peu en bas de l'orbite de la Terre ou un petit peu en haut. Donc, elle ne va pas vraiment éclipser, faire de l'ombre à Mars. Sauf que, si je me souviens bien, c'est toi, Rock, qui m'a dit ça, que lors de la dernière opposition de Mars, en fait, les deux planètes étaient si bien alignées que la Terre faisait de l'ombre sur Mars, c'est ça? Bien, disons que si on était sur Mars à ce moment-là, on aurait vu le Soleil avec un petit point devant. Puis le petit point, ça aurait été la Terre. Ouais. Donc, il y aurait eu un transit de la Terre vu de Mars. Sauf puis que là... c'est à vérifier si c'est la dernière opposition ou l'autre avant, ou les deux. Je suis pas trop certain. Oui. Il va falloir que j'envoie ça à mes... Mais de façon, mettre des hommes là-dessus. Le principe, c'est que oui, ça peut arriver que la Terre, effectivement, va faire de l'ombre sur Mars, mais la Terre est quand même assez loin de Mars et assez loin du Soleil. Elle ne va pas bloquer l'entièreté du Soleil. Ouais. Ça va avoir l'air seulement d'un petit point qu'on voit passer devant le Soleil. Non, c'est ça. Puis on ne dira pas que la Terre va faire de l'ombre. Même si la Terre passe devant le Soleil, elle ne fera pas d'ombre. Le cône d'ombre va se terminer avant d'arriver sur Mars. Fait qu'il n'y aura pas aucune éclipse sur Mars faite par la Terre. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Oui. En prochaine question de Hilary. Pourquoi il y a un point blanc au sud-ouest sur Mars? Ah, bon, on va revenir donc sur l'image, justement, que Rock a pris. J'imagine que c'est à cette image-là que vous faites référence. Donc, le point blanc juste ici, là. Donc, ça, c'est, comme on disait précédemment, donc c'est la calotte polaire. C'est comme ça. Donc, comme ça.
Oui, donc Mars, elle a un peu comme la Terre, elle va avoir des calottes polaires, donc au nord et au sud. Là, en ce moment, le sud est plutôt vers nous. On a-tu un globe martien quelque part? Oui, bien, regarde, c'est ça. Mars est en angle, un peu plus que la Terre. La Terre est en angle, mais Mars, un peu plus encore. Regardez. Fait que c'est pour ça que son pôle sud en bas, il est un peu décalé, si on veut. Donc ici, j'ai avec moi un globe martien. Donc on a le nord ici avec une calotte polaire et le sud aussi avec une plus petite, très petite calotte polaire sur mon globe. Mais des fois, donc au fil des saisons, en fait, les calottes polaires, elles vont grossir ou se rapetisser si c'est l'été ou si c'est l'hiver. Donc présentement, Mars, le sud, va faire face à nous comme ça. Et c'est pourquoi, en fait, on va bien voir la calotte polaire sud ici, comme on peut voir sur la photo de Rock. Elle est tout petite. Oui, présentement, elle est tout petite. Puis à d'autres moments de l'année, elle peut être beaucoup plus grande aussi. Au début qu'on pouvait observer Mars cette année, la calotte devait être 4 fois plus grosse que ça. C'était assez impressionnant. Puis elle s'est mise à fondre à une vitesse folle. Mm-hmm. Là, elle est pas mal à son minimum. Oui. Donc ça, c'est des photos assez impressionnantes, mais on a fait une petite demande sur Facebook à justement d'autres astronomes amateurs pour voir de quoi ça a l'air, des photos d'autres personnes qui sont pas quasiment des pros comme Rock ici. Donc je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Pas que t'es pas bon, Rock, mais là, faut quand même donner du mérite aussi à d'autres personnes. Donc, j'ai une petite compilation de quelques images. Donc ça ici, c'est une image de Alec Cooper. Je les ai classées en ordre alphabétique de prénom. Donc, il n'y a pas de préférence ici. Donc, ils viennent un peu partout au Québec. Donc, lui ici, il vient de la région de Québec. Donc, ça fait 40 ans qu'il s'intéresse à l'astronomie, mais seulement 3 ans qu'il fait de l'astrophotographie. Puis ici, on arrive quand même à voir très bien l'image de Mars. On arrive même à voir des détails, des zones sombres à la surface de la planète. Puis sa petite calotte polaire qui était dans les airs. Ici, c'est juste haut. Que la caméra était positionnée d'une autre façon. C'est tout. Oui, ça, peut-être. On a ici celle de Daniel Lorenzo à Terrebonne, comme toi. Oui, mon ami Daniel. Ah, bien, ton ami Daniel. Oui, oui. Lui, son premier télescope en janvier 2019, puis il arrive à faire une photo comme ça. Ça donne espoir. Donc, Dominique, la France, à Boucherville. Elle aussi, on arrive bien à voir les zones sombres, même à la surface. Florian Terret, en France. Mais oui, on a des gens partout de la francophonie, il faut croire. Donc, lui aussi, on arrive à voir la calotte polaire sud, puis des détails à la surface. Il y a même le nuage en haut, côté nord, là. Oui, on voit bien. Oui, il y a la glace. Le pôle nord, finalement, c'est comme... Il est en suspension un petit peu plus, je ne sais pas, il est comme étendu. Oui, on dirait, on voit bien le blanc en haut. Ouais. Ici, François Fournier, première saison d'astrophotographie. Bravo. Moi, je peux vous dire que je trouve ça pas mal impressionnant. Mm. Première saison, puis une photo belle comme ça. Là, j'aimerais ça juste être capable de prendre une photo aussi impressionnante. Daniel Dornier-Gatineau, aussi une belle photo. On voit la même calotte polaire sud et un petit peu de blanc en haut au nord. Isabelle Renault aussi, qu'on voit. Qui commence, là. Lucas ici, depuis l'Abitibi. Donc là, on peut voir que je pense que peut-être le nord et le sud sont inversés, je crois. Oui, le sud est en haut présentement. Oui, c'est ça. Des fois, c'est des choses qui arrivent, dépendamment des télescopes que vous utilisez, dépendamment si vous inversez, si vous faites la correction ou oui, pas. Oui, puis de toute façon, il faut souligner aussi qu'il n'y a pas de haut et de bas en astronomie. Non, ça. Non, c'est pas grave quand même que vous présentez une image, le nord en haut ou en bas. Là. Mm-hmm. On peut voir un peu de tout ça, justement. Mais ça, c'est un de nos astronomes ici au Planétarium, Marc Jobin. Qu'il a pris dans les derniers jours. Donc, nous aussi, on s'est prêté au jeu. On a photographié Mars ici. Ça, celle-là, c'est une de mes préférées. J'adore ça, Richard Martin, parce qu'il l'a pris avec un téléphone cellulaire. Quelque chose, hein? Donc, qui a monté sur son télescope. Donc, c'est très important d'avoir une stabilité.
Mais au lieu d'avoir un gros appareil photo, donc comme je disais précédemment, c'est possible avec un téléphone cellulaire. J'imagine qu'il a fait une vidéo puis un empilement. Puis on arrive quand même à voir qu'il y a des ondes plus sombres, des ondes plus claires. C'est quand même impressionnant. Ouais. Et finalement, on a ici Roger Ménard. Je pense que c'est son observatoire à lui, à Sainte-Sophie. Oui, mon ami Roger. Ben oui, ça fait 52 ans qu'il fait de l'astronomie, 8 ans d'astrophotographie. Puis en prime, ben, il nous a mis une image d'Uranus ici. Donc, on va maintenant passer. Il y a d'autres questions, si je crois bien, sur le chat. Question de Martine. Est-ce qu'il y a une atmosphère autour de Mars? Donc, oui, mais pas du tout comme la nôtre. Elle est, beaucoup moins épaisse. Elle est très, très ténue. Je crois que c'est... elle a l'épaisseur, là, un pourcentage de l'atmosphère terrestre. Et elle n'a pas non plus la même composition. Donc, il n'y a pas d'oxygène. Ça va principalement être du gaz carbonique qu'il va y avoir dans l'atmosphère de Mars. Et d'ailleurs, justement, les calottes polaires, donc c'est pas... Oui, il y a de la glace d'eau, mais il y a aussi de la glace de gaz carbonique. Donc, pendant l'hiver, il y a parfois du gaz carbonique de l'atmosphère qui va geler au pôle, créer des calottes polaires de glace carbonique, et ensuite qui vont dégeler et injecter dans l'atmosphère plus de gaz carbonique comme ça. Donc, une atmosphère, mais assez différente. Autre question? D'accord. Donc, c'est tout pour les questions. Bon, je vais revenir sur ma présentation. Donc, ça ici, ça faisait un peu le tour de ce qu'on pouvait voir comme image d'astronome amateur. Puis, je vais prendre un petit moment pour te remercier, Rock, d'être venu aujourd'hui avec nous. Ça fait plaisir. De nous avoir partagé un peu tes trucs. Et d'ailleurs, pendant tantôt que tu nous parlais des différentes étapes de capture, tu nous montrais une vidéo que tu avais comme t'avais enregistré ton écran lors d'une capture et tu avais en fait enregistré aussi ta voix, t'expliquais ce qui se passait. Donc, s'il y en a qui veulent plus de détails, on est allé un peu plus en surface, mais si vous voulez plus de détails sur comment ça fonctionne, qu'est-ce que Rock y fait lors de ses captures planétaires, donc il va mettre la vidéo sur Vimeo, puis on va pouvoir commenter sur notre vidéo d'au-dessus de nos têtes. On va vous partager le lien vers la vidéo si vous voulez la voir par la suite. Fait que, ben, merci beaucoup, Rock, d'être venu. Puis j'espère qu'on va pouvoir recollaborer bientôt. C'est tout plaisir pour moi. Puis moi aussi, j'espère bien collaborer encore avec vous. Oui. Donc, moi, c'est pas tout pour au-dessus de nos têtes. J'ai encore quelques petits trucs à vous montrer. Donc, très rapidement, je voulais vous parler encore un peu de l'opposition de Mars qu'il y a eu cette année. Donc, comme je vous disais, lors de l'opposition, Mars va être plus proche de la Terre et donc plus grosse dans le ciel. Et ça va quand même varier assez rapidement. Donc, si vous voyez ici, ça c'est cette année, c'est la grosseur apparente de Mars dans le ciel. Et on peut voir là, juste en quelques semaines, donc on passe de juillet à octobre, octobre à décembre. Donc, on peut voir que même d'une même année, en quelques semaines, en quelques mois, la taille de Mars elle peut changer quand même de façon significative dans le ciel, une fois qu'on le regarde au télescope. Et ce qui est intéressant, c'est que Mars va avoir différentes phases aussi. Elle ne va pas toujours être complètement éclairée. Donc, parfois, elle va être ce qu'on dit gibbeuse, comme la phase de la Lune, gibbeuse. Donc, comme vous pouvez voir, par exemple, en juillet, donc on voit la partie gauche qui est éclairée, mais il y a une partie de droite qui va être dans l'ombre. Et plus on s'approche de l'opposition, moins il y a d'ombre. Là, on va voir entièrement Mars près de l'opposition. Et ensuite, c'est l'autre côté de la planète qui va arriver dans l'ombre. Donc, les planètes vont aussi avoir des phases, sauf que Mars, c'est une planète supérieure, donc qui est à l'extérieur de l'orbite de la Terre. Alors, les phases, on ne peut pas voir toutes les phases. On va seulement voir la phase pleine et la phase gibbeuse, tandis que les planètes qui sont à l'intérieur de l'orbite de la Terre, comme Vénus et Mercure, et on peut voir aussi des phases comme un croissant, des choses comme ça. Donc, sinon, à part les phases de Mars, il y a aussi les faces de Mars.
Donc, comme Rock nous disait plus tôt, donc Mars, elle va tourner sur elle-même, hein, comme toutes les autres planètes, y compris la Terre. Et elle tourne sur elle-même dans un temps un petit peu plus long que la Terre. Donc, la Terre, nous, on fait une rotation en 24 heures. Et Mars, elle, ça va être environ 24 heures et 40 minutes. Donc, ça fait en sorte que de soir en soir, même si on l'observe, disons, à la même heure, eh bien, on ne va pas voir exactement la même face de Mars. Donc ici, c'est, on peut voir donc à différents jours, donc à une semaine d'intervalle, on peut voir que la face visible de Mars va changer. On voit les zones sombres ne sont pas toujours les mêmes. Et si on regarde entre le 16 août ici et le 20 septembre, on voit pas mal la même face. Donc, en dedans d'environ 5 semaines, 35 jours, on devrait revoir la même face de Mars lorsqu'on l'observe comme ça au télescope. Donc, la surface de Mars, mais on peut voir plusieurs choses. Donc, on a déjà parlé des calottes polaires, on a parlé de son atmosphère. Je vous ai dit qu'il y avait des régions sombres, sans trop vous expliquer un peu c'est quoi. Donc, Mars, en fait, va avoir souvent des plateaux de roches faites de basalte, qui est une roche très foncée, et elle va être recouverte d'un désert de poussière de rouille qui lui donne sa couleur rouge-orange. Donc, les régions qu'on voit qui sont plus sombres, ça va en fait être là où il n'y a pas de sable qui va couvrir le basalte. Donc, c'est ça qu'on va voir qui est plus foncé. Et les régions qui vont être plus claires, qui vont être plus orangées, là, ça va être le sable d'oxyde de fer, le sable de rouille. Et parfois, justement, il y a même des tempêtes, il y a des vents, ça va faire bouger le sable. Et donc, depuis la Terre, parfois, bien, les formes sombres qu'on peut voir sur Mars peuvent changer un petit peu. Et justement, il y a très longtemps, les astronomes pensaient que c'était que les zones sombres étaient en fait de la végétation qui bougeait, qui changeait au fil des saisons. Il y avait des livres complets écrits sur la végétation de Mars. Vous imaginez, alors que finalement, bien, maintenant, on sait qu'il n'y a pas de végétation sur Mars et à ce qu'on sache, il n'y a pas de vie, même à l'état de microbes. Donc, ça, c'est ce qu'on peut voir un peu sur Mars. Je pourrais vous parler de toutes les formes qu'on peut voir là, à la surface. Je vais juste vous en montrer deux qui sont plus faciles à reconnaître. Moi, c'est celle que j'aime retenir. C'est, vous voyez ici, le plateau rocheux. C'est en forme de triangle comme ça. On le reconnaît quand même assez facilement. Donc, ça, c'est le plateau, c'est un plateau rocheux qui s'appelle Citrus Major. Donc, et en dessous, on peut voir un rond beaucoup plus clair. Donc, c'est la plaine, le Hellas Planitia, donc un bassin beaucoup plus clair. Donc, on arrive facilement à voir sur les photos. Et ça, c'est quand on a Mars dans des bonnes conditions, parce que lorsqu'il y a des tempêtes de sable, ça, c'est le cauchemar des astrophotographes, parce qu'on ne peut pas voir plein de détails à la surface de la planète. Donc ça, c'est une comparaison de quelques mois seulement de la planète Mars. Donc on peut voir à gauche, quand il n'y a pas de tempête de sable, on est supposé voir des cratères, des bassins, des plateaux rocheux. Et lorsqu'il y a une tempête de sable, bien, toutes ces belles structures-là prisées par les astrophotographes disparaissent et sont ensevelies sous des nuages de poussière. Donc, et comme on sait, on ne peut pas voir à travers les nuages. Alors, c'était tout pour notre spéciale opposition de Mars. Avant de se quitter, on va faire un petit tour de notre calendrier des éphémérides, des phénomènes astronomiques. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que dans quelques jours, le 21 octobre, on devrait avoir une petite pluie d'étoiles filantes appelée les Orionides. Et sinon, si vous regardez ici, donc le 22 octobre, il va y avoir un rapprochement dans le ciel entre la Lune, Jupiter et Saturne. Et le 29 octobre, un rapprochement entre la Lune et Mars. Mais allons voir un petit peu les Orionides. Donc, c'est une petite pluie d'étoiles filantes qu'on peut voir à l'automne. Donc, c'est pas, il n'y a pas autant de météores, il n'y a pas autant d'étoiles filantes que lors des Perséides qui ont lieu au mois d'août. Mais ça vaut quand même la peine, s'il fait beau, d'aller regarder dehors. Donc, les Orionides semblent provenir de la constellation d'Orion. Donc, on peut
pouvez les voir à partir d'environ 23 h minuit. Donc, le pic a lieu le 21 octobre. Et lors du pic, on devrait voir environ entre 10, 15, peut-être même 20 météores à l'heure. Et ce qui est assez intéressant avec les Orionides, c'est que cette pluie d'étoiles filantes, elle est créée par les débris laissés par la comète de Halley, qui est une comète très connue. Alors, si vous voyez une étoile filante dans le coin du 21 octobre, bien peut-être que c'est une petite traînée de poussière laissée par la comète de Halley. Donc, pour les planètes dans le ciel, donc, comme aujourd'hui, on avait Rock comme invité spécial, bien, les quatre photos de planètes que vous pouvez voir ici, c'est des photos de Rock. Et oui, c'est pas des photos de la NASA ou des trucs comme ça. C'est Rock qui a pris ça dans son jardin, sûrement. Donc, on peut voir ici nos quatre planètes. Donc, Jupiter et Saturne qu'on voit en début de soirée. Donc, dès que le Soleil n'est pas là, on peut les apercevoir jusqu'à environ 22h, 22h30. Et il va y avoir un rapprochement avec la Lune. Donc, en début de soirée, le 22 octobre, la Lune va passer relativement près de Jupiter et Saturne pour finalement s'en éloigner. Mars, elle, on peut la voir toute la nuit, donc de la tombée de la nuit, là, du coucher du soleil jusqu'aux petites heures du matin, vers 6 heures, Mars va être là de toutes ses couleurs très brillantes dans le ciel. Vous ne pouvez pas la manquer. Et encore moins dans la nuit du 29 au 30, parce qu'elle va être juste à côté de la Lune. Et finalement, notre dernière planète, donc Vénus, qu'on peut voir aux petites heures du matin, environ vers 4h30 du matin, à côté des constellations d'hiver. Et on va la voir bien, jusqu'à ce que le soleil soit là, soit trop brillant et couvre l'éclat de Vénus. Alors, c'était tout pour notre au-dessus de nos têtes d'aujourd'hui. Donc, avant de se quitter, je crois qu'on a quelques questions. Alors, question de Sophie. Ah, c'est pas une question, c'est un commentaire. Merci, merci Rock. Merci, ça fait plaisir. Avec les autres photos qu'on a vues tantôt aussi, là, ça promet. Oui. Ça promet, on va en avoir des belles bientôt, là, parce que là, Mars est encore bien visible. Mm-hmm. Bien oui, on voulait faire une soirée d'observation aujourd'hui, mais la météo ne nous l'a pas permis. Mais encore une fois, merci d'être venu quand même, de nous avoir partagé ta passion pour l'astrophotographie. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'on a d'autres questions, Maxime? Ou on arrête ça là? Donc, je pense qu'on a pris assez de votre temps. Alors, je vous remercie encore. Je te remercie encore, Rock, et je vous remercie tout le monde qui nous écoute en direct ou qui nous réécoute sur le Facebook d'Espace pour la vie. Donc, on se retrouve dans 2 semaines pour notre prochaine capsule au-dessus de nos têtes. Et si la météo le permet, on va essayer encore une fois d'observer Mars. Même si on est moins près de son opposition, c'est quand même encore un bon temps pour l'observer. Alors, à suivre. Et entre-temps, je vous invite à lever les yeux vers le ciel et chercher un petit point rouge.